Le plus grand des serpents cobra du Nord était enfin arrivé au pouvoir. Et ce, pour la première fois depuis que cette race existait. Tous les animaux de la forêt étaient invités à cette cérémonie d'investiture du grand serpent, car depuis la nuit des temps, on les appelait ainsi. Les invités arrivaient au fur et à mesure, et on les installait au fur et à mesure. Quand toutes les invités furent arrivées, le chef ordonna que la fête commence. Pendant ces trois jours de fête, le nouveau chef fut intronisé. Le pays était désormais entre ses mains. On avait organisé une grande fête. Il y avait à manger à gauche, à manger à droite, et tout le monde dansait au rythme des tam-tams qui ne cessaient de sonner. Grand Croco avait pris la parole lors de cette manifestation pour rappeler à tous la notion de bonne gouvernance, la gestion, l'économie, l'intérêt et l'avenir du pays. Tout le monde était tellement d'accord avec lui qu'ils avaient applaudi. Ces paroles avaient touché tellement, mais alors tellement le grand serpent que, au moment de partir, il prit avec confiance trois malles remplies de billets de banque et rimé au chef Croco. Il prit une enveloppe garnie de billets de banque et rimé au chef Croco. Des instructions strictes avait été donné au grand Croco et au Caïman, son conseiller principal, de ne pas toucher au trésor du grand frère. Ils prirent donc les trois mâles, l'enveloppe, et disparurent, dans le but d'aller cacher tout cela au fin fond de l'eau, à l'abri de tout quelconque chef rebelle venant à renverser le pouvoir et s'enfuir chez ses cousins pour continuer à se la couler douce. Mais les animaux les plus redoutables n'étaient pas d'accord. Mais comment ? Dit le grand éléphant de la délégation des éléphants. Mais comment il peut prendre la richesse de tout un pays et donner à ces minuscules crocodiles qui passent leur temps à danser dans l'eau ? Mais comment, dit le renard de la délégation des renards, mais comment il peut prendre la délégation et puis l'argent il donne aux crocodiles qui chantent dans l'eau et qui dansent dans l'eau? Mais personne n'eut le courage de lever un doigt comme ça, au risque d'être pris et renvoyé au petit matin. Pendant ce temps, youya, le chef organisait des fêtes tous les jours. Partout au nord, au sud, il faisait des fêtes. Les femmes de ses collaborateurs étaient devenues ses maîtresses. Et la conséquence, l'économie du pays était mise par terre. Youya, 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 youya. Pourquoi c'est fait?
Youya, 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 youya. Un jour, Grand Croco tomba malade d'une maladie grave. Il voulut aller se soigner chez ses amis du pays des glaces. Mais hélas, le pays était devenu tellement pauvre qu'il ne put payer son voyage. C'est alors que le caïman,
son conseiller principal, lui proposa de prendre un peu d'argent dans le mal sacré afin de se soigner. Croco le regarda sérieusement de les yeux et lui rappela la promesse faite au grand frère de ne pas toucher au trésor. Il lui proposa plutôt d'aller chez ses cousins Iguane et Marguia afin de trouver un remède qui pourra le guérir. Mais Caïman, le conseiller principal, au lieu même d'en parler à son chef, se dirigea vers le grand serpent pour lui demander la permission de prendre un peu d'argent dans le mal sacré afin de soigner son chef à l'agonie. Serpent le regarda sans mot dire. Il lui remit un peu d'argent et une enveloppe hermétiquement fermée. Très content, il rebroussa chemin. Mais sur sa route, il croisa le grand éléphant de la délégation des éléphants. Celui-ci lui demanda, « Mais, mon frère, où étais-tu et où vas-tu ?» J'ai été voir grand serpent pour qu'il me donne un peu d'argent pour soigner mon chef qui est malade. Ah bon? Et alors? Et alors, il m'a donné un peu d'argent et une enveloppe hermétiquement fermée. Mais attends, mon frère, dit l'éléphant. Mais comment peux-tu tenir une enveloppe dont tu ne connais même pas le contenu? Mais c'est grave! Et Caïman ouvrit l'enveloppe. Il remarqua qu'on avait écrit « Prends-le et mets-le en prison, trahison !» Aïouïa ! Caïman entra dans une colère noire. Et conseillé par le grand éléphant, il prit tous les éléphants, armés jusqu'aux dents, pour aller renverser le pouvoir. Alors ils marchèrent. Et ils marchèrent.
vous pouvez, 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 vous thank you.
Une guerre éclata. Une guerre grave, sanglante. On massacra les crocodiles. Les éléphants étaient décidés d'en découdre avec le crocodile. Les morts les comptaient par milliers. Il y eut des morts, des cadavres partout, par ici, par là. On arrêta le grand croco. On le tua. Et on l'enterra le même jour. Pour vite permettre au caïman de prendre le pouvoir et de régner avec les mâles d'argent et l'enveloppe garnie. Ouya, ouya. Caïman régna, régna et traita une amitié avec les éléphants. Mame, yo, mame, mama. 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 Mame yo, mame 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 mama. Yuya, 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 yuya. Mame yo, mame mama. Mame yo, mame. Et c'est lui qui a arrangé la musique de tout ça, du début jusqu'à la fin. C'est Yvon Mankou. Vous avez eu comme danseur Gilbert Madiala. Et vous avez eu comme danseur aussi Jules Maungu. Et le
texte, il est de Nestor Mabiala, que vous connaissez très bien.